Pourquoi est-ce que tu as débarqué dans ma vie? J'étais heureux sans toi avec Zellner et mes filles. J'ai enterré mes sentiments puis j'ai vu son visage. Tu étais plus charmant que j'ai oublié mon rage. Tu étais malin, assez dupé, jeune Mina. Amy a hésité car tu n'as jamais écrit en ligne. Après, tu as abandonné ton famille pour une autre. On avait besoin de la loyauté comme un chef et ses apôtres. Zellner est maintenant le papa, tu es obsolète. Dans mon esprit, tu as devenu une grande bête. Mais je me souviens les mémoires, je ne peux pas oublier. J'ai les sentiments mitigés, mais je dois ignorer. Ma famille te déteste, ils me donnent les conseils. Je dois être fainéant avec toi, j'ai besoin d'un réveil. Je peux te rendre visite dans un hôtel toute seule. Alors je peux te tuer, tu auras besoin d'un linceul. Je ne suis pas capable de me charmer, j'ai besoin d'une vie normale sans toi, ceci le fait vrai. Mes filles et leur santé mentale sont plus importantes. Tu dois comprendre que l'amour n'est plus éclatant. Si je peux dire ces mots à toi, je sais que tu dirais. Je t'adore et quand je suis toute seule, il fait trop froid. Je suis désolée, mon amour, j'étais très très stupide. Tu probablement penses que notre amour est vide. Mais je me rends compte mes erreurs, tu dois me croire mon amour. Je pense à toi le matin jusqu'à la nuit tous les jours. Est-ce que tu m'auras encore continué l'histoire? Je veux une vie avec toi et une future aléatoire. Comment est-ce que je dis non que je suis amoureuse? Je n'apprends jamais, c'est comme je veux une vie de l'heureuse. J'espère que dans le futur je peux trouver la force, finir cette relation et accepter la divorce.